Luis Enrique nous donne des nouvelles de Kylian Mbappé. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Ici nous on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors les gars, est-ce que Kylian Mbappé va quitter le Real de Madrid? Luis Enrique nous a donné une conférence de presse là où il a dit que personne n'est au-dessus du club. Ça, déjà, c'est une chose qui doit être systématique. Personne n'est au-dessus du club. Personne. Manchester United, lorsque Cristiano Ronaldo a voulu être au-dessus du club, je parle de du premier passage de Cristiano Ronaldo à Manchester United avant qu'il s'en aille au Real de Madrid. Lorsqu'il a voulu être au-dessus du club, Sir Alex Ferguson demandait à ses dirigeants qu'on le vende. C'est comme ça un grand club. Aucun joueur n'est au-dessus. Beckham a voulu être au-dessus du club. David Beckham, il a voulu être au-dessus du club. On l'a également vendu. Donc, c'est ça la base. Personne n'est au-dessus du club. Dès que tu essaies d'être au-dessus du club, on te vend. Maintenant, donc, est-ce que Kylian va quitter le PSG? Pour moi, je pense qu'il va quitter le PSG. Je continue de croire que le Real de Madrid va attendre jusqu'à la fin pour proposer une offre dérisoire au PSG. Et comme le PSG est dormi, le PSG va accepter cette offre, à moins que cette offre ne soit vraiment, vraiment pitoyable. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu vois Kylian quitter le PSG? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ce sont déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.